Eh bien, donc je suis d'origine française et j'ai eu une enfance absolument dans l'amour, dans le bonheur. Puis à un moment donné, bien sûr, de ma vie, donc je me suis mariée, j'ai eu des enfants et je me suis retrouvée toute seule à l'âge de 23 ans avec deux enfants qui avaient 4 ans et 3 ans. Et à partir de là, eh bien, ma vie a changé, je me suis battue, quoi, j'ai avancé. Et puis, la vie en avait décidé autrement, que je ne devais pas seulement rester mère de famille, hein, puisque dans les années 88-89, mes enfants sont partis vivre leur vie, bien sûr, c'était normal. Et puis moi, je suis tombée malade, et c'est là que j'ai compris qu'il y avait autre chose que la vie que je menais à Paris, qui était une vie à 100 à l'heure. Et donc, il y a eu tout un tas de concours de circonstances qui ont fait que je suis arrivée dans l'océan Indien il y a 15 ans. Et puis, il y a donc 7 ans, j'ai ressenti, après avoir été plusieurs fois venue à Maurice, j'ai ressenti un appel de venir à l'île Maurice. Donc, depuis 7 ans, je suis ici, où j'ai continué cette vie d'aide aux autres. Où pendant de nombreuses années, je vais dans les hôpitaux, dans les associations, dans les écoles, un peu partout et dans toute l'île, pour pouvoir aider, écouter, transmettre l'envie de vivre, la joie de vivre, la force que j'ai développée en moi, et puis l'amour aussi, et cette paix intérieure qui m'habite. Et je crois que, bon, pour moi, c'est un grand, grand, grand bonheur. Mon rêve, bien sûr, et on dit toujours qu'il n'y a qu'un pas entre le rêve et la réalité, et que par la pensée, on peut créer beaucoup de choses. Bien sûr, c'est apporter le bonheur, le bien-être à tous ceux qui souffrent, les soulager, les écouter. Et puis maintenant, mon rêve, bien sûr, c'est au niveau de l'île Maurice, puisque je suis mauricienne depuis un peu plus d'un an, j'ai la nationalité mauricienne, et c'est d'aller un peu plus loin dans l'aide que je peux apporter au pays. Que ce soit dans les institutions, dans la vie de chaque jour, ou pour les personnes individuelles qui souffrent, parce que mon temps est à 100% pour l'île Maurice. Si je peux dire, la différence que j'ai, c'est que, et que j'essaie justement d'apprendre aux personnes qui me côtoient ou qui viennent me voir ou me demander de l'aide, c'est leur apporter cette paix que j'ai travaillée et qui est en moi. C'est ça la différence, je n'ai pas de stress. Je n'ai pas d'angoisse, je n'ai que la joie, le bonheur et la lumière pour me guider. Donc c'est ce que j'essaie de transmettre, mais à partir de ça, je suis comme tout le monde. Je suis donc une femme, une maman, une grand-mère et puis une amie fidèle pour tous ceux qui me côtoient depuis toutes ces années, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement fidèle et de parole. Donc ce que j'essaie de porter, si vous voulez, c'est vrai que dans ma différence, par exemple, en venant à l'île Maurice, et que certaines personnes qui me connaissent bien ont compris, c'est que je suis quelqu'un de droit, d'intègre, de parole et fidèle. Quand j'étais enfant, à l'école, tous les jours, on avait ce qu'on appelle les leçons de politesse avant de commencer la journée et les leçons d'instruction civique. Et on m'a toujours dit, et j'ai été élevée comme ça, que nous avions des droits, mais nous avons des devoirs. Donc j'ai des devoirs vis-à-vis, si vous voulez, de ce pays où je vis. J'ai des devoirs au niveau des personnes que je côtoie, au niveau des enfants, parce que mon devoir, si vous voulez, quand je ne supporte pas l'injustice, par exemple. Et mon devoir, c'est de protéger les nouvelles générations et de me battre et d'apporter ce bien-être à tous ceux qui souffrent et puis de donner ma petite part d'idées ou de travail pour que les enfants qui seront les adultes de demain vivent aussi dans un monde meilleur. Et c'est être dans la réalité parce qu'on est sur Terre pour quelque chose. On n'est pas que sur Terre pour passer un moment et puis tout va bien, j'ai tout mon petit confort et puis tout. Non, non, non. On vient sur Terre pour aussi laisser une empreinte. Un des meilleurs moments, je dirais, les plus proches, c'est le jour où j'ai eu ma nationalité mauricienne.
Et ça, d'ailleurs, beaucoup de gens, le jour où j'ai reçu la lettre, j'étais tellement dans un bonheur et tout. Même des gens encore maintenant m'en parlent en disant « On se souviendra toujours de vous le jour où vous avez eu cette nationalité mauricienne. » Parce que pour moi, c'était un bonheur. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors c'est vrai, sinon dans une vie de femme, il y a des bonheurs autres. Ben, c'est les enfants, bien sûr, mes petits-enfants. Mais tout ça, je veux dire, c'est des choses, je dirais, normales. J'ai eu maintes choses. Quand je soulage quelqu'un, quand je soulage la souffrance de quelqu'un et que d'une personne et que je revois son sourire avant qu'il me quitte ou qu'elle me quitte et puis qu'elle tombe dans mes bras et que je la serre, je lui donne de l'amour. Je veux dire, parce que ça n'a pas, ça vaut tout l'or du monde. C'est pas l'argent qui est important. C'est ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Et moi, je m'aperçois que souvent, il y a un échange avec tous les gens que je soulage et que j'arrive à aider, qui est profond, intense, sincère. Et ça, c'est plein de moments de bonheur. Moi, j'aimerais ouvrir les portes aux femmes. Parce que, et j'ouvre déjà, mais j'aimerais aller un peu plus loin donc dans cette recherche et d'ouverture, parce qu'une société sans femmes n'est pas une société. C'est l'équilibre. L'homme et la femme, c'est l'équilibre. Hein, c'est le yin et le yang. Et si vous voulez une nation où il y a beaucoup plus d'hommes qui dominent, c'est une société en déséquilibre. Il faut que la femme prenne sa place progressivement. J'ai pas de faire des révolutions, hein, je ne suis pas du tout une révolutionnaire. Mais qu'elle prenne sa place, qu'elle prenne des initiatives. Parce que c'est le complément et c'est l'égalité même. Parce que pour moi, un homme et une femme sont complètement égaux. Et il y a un autre regard. Parce que si vous voulez, une femme, elle va penser, même par exemple une femme au niveau de la politique, etc., elle va penser à sa famille, aux enfants, à l'avenir de ses enfants, etc. Donc elle aura un autre regard dans la société que les hommes. Ça ne veut pas dire que les hommes ne vont pas penser à l'avenir de leurs enfants, mais pas de la même manière. Et quand on fait quelque chose avec son cœur, on ne fait pas d'erreur. Les erreurs viennent du mental. Et beaucoup de gens mentalisent trop et pensent en disant « Ah bah tiens, je vais faire ça. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Et qu'est-ce que je vais gagner ?» C'est pas ça. Je fais ça parce que c'est quelque chose que j'ai là et que je veux construire. Et puis après, on s'aperçoit que ça ouvre à autre chose, etc., etc. Mais c'est pas ce que ça rapporte qui est important. C'est la satisfaction de se dire le soir, de pouvoir se regarder dans la glace et de se dire « Aujourd'hui, j'étais quelqu'un de bien. J'ai fait ce que je devais faire. » Si on ne peut pas se regarder dans la glace, c'est-à-dire les yeux dans les yeux, eh bien là, il faut chercher ce qui ne va pas en nous et faire ce travail. Quand quelqu'un nous dérange, il faut se dire « Tiens, ça me dérange chez lui ou chez elle. » C'est ce que j'ai en moi qui me dérange, parce que l'autre, c'est le miroir. »